Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous trouver pour une nouvelle vidéo estivale début d'été 2023. Euh, comme vous avez pu le voir sur la communauté YouTube ainsi que sur ma page Facebook, j'ai ressorti un vieux jeu qui date de 2004 à l'époque, édité par Wizard of the Coast. Donc, certains d'entre vous ne le connaissent pas, c'est normal, parce que peut-être vous étiez même pas né ou très jeune. Et forcément, ça a commencé en 2004. Et de mémoire, je crois qu'ils ont arrêté en 2011. Parce que ce jeu euh, permettait de collectionner euh, des figurines, on va dire, à la, à la Magic, hein, avec des, un starter, des boosters, euh, des figurines rares, etc. Donc, du coup, bah, euh, j'avais commencé un petit peu la collection l'époque on avait commencé par Rebel Storm qui était le starter de base où il y avait quelques figurines dedans et, euh, je, et après il y avait quelques boosters donc forcément ça a évolué, ça a changé en fonction bien sûr de on va dire de l'historique de la chronologie de Star Wars en passant à penser bien sûr, par bah, euh, avant la fameuse trilogie Luke Skywalker, le retour du Jedi, etc. Et c'est parti après, donc forcément, à un moment donné, on, on, on pouvait jongler sur les historiques tout en gardant, bien sûr, la, la thématique de l'époque. Sauf que, bon, moi, je me suis arrêté à Rebel Storm, euh, j'ai potentiellement acheté quelques boosters et j'ai rajouté des figurines euh, qu'on pouvait peut-être pas des fois trouver comme R2D2. Enfin, bref je, je me suis débrouillé, mais c'est un jeu qui est simple et sympa. Et euh, justement, ça, ça avec beaucoup de nostalgie que je vais vous le présenter parce que forcément c'est vieux, ça a presque 20 ans. Donc ce jeu n'est plus édité, donc il sera dans la rubrique Jeux Collector. Forcément, on a déjà fait une partie pour. Voilà, se remémorer les règles avant une partie filmée. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc je vais la chapitrer parce qu'il se peut qu'elle soit un petit peu longue. Je vais vous présenter les figurines, je vais vous pr présenter les caractéristiques des cartes, je vais présenter euh, les règles, euh, en sachant que vous pourrez, dans la description de cette vidéo, télécharger tout ce dont vous avez besoin en matière de règles, en matière de cartes. Alors là, je vous enverrai sur un lien sur un site anglais parce que le jeu était en anglais hein, euh, où il y a toutes les cartes donc il y a un giga 8 à télécharger sur tous les toutes les époques de Star Wars. Par contre les règles sont en français. Euh, si vous n'avez pas possédé le jeu euh, bah, dans ce cas là il y a des, des maps enfin, des cartes à télécharger ainsi que les, des petites tuiles euh, que vous pourrez aussi euh, voilà, télécharger éventuellement je vous donnerai tout ce qu'il faut, si vous n'avez pas les cartes officielles, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, etc., il y aura peut-être des petites choses à acheter si vous le désirez. Enfin bref, je vous laisse pas tomber. Je vous présente ce jeu de A à Z et je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo ainsi que la communauté francophone Star Wars miniature où là vous retrouverez plein de choses et les textes des cartes traduits. Donc ça c'est impeccable. Donc en fait vous aurez de quoi jouer et vous pourrez reconvertir vos figurines éventuellement de Star Wars notamment Star Wars Légion et Star Wars enfin tout, tout ce qu'il y a autour parce que c'est un jeu d'escarmouche qui se joue sur euh, une carte avec des cases mais on peut facilement l'adapter à un jeu de figurines Wargame typique de table en faisant des adaptations tout le temps mais voilà on peut jouer sur carte et sur table avec des décors c'est pas un souci Bon, ben là, je crois que j'ai fini un petit peu de tchatcher parce que moi, je m'emballe à chaque fois quand je présente un jeu qui me plaît. Donc, du coup, chapitrage, on va commencer par la présentation, on va dire, des figurines, des caractéristiques de cartes, etc. Pour cela, on va se retrouver sur la table. Voilà, on se retrouve sur la table avec le manuel original datant de 2004. Donc c'était le starter à l'époque, Rebel Storm, donc Collectable Miniature Games Rule. On avait la particularité de l'avoir en anglais. Donc forcément, euh, c'était pas évident. Donc comme vous je vous ai dit en intro, ça se joue sur des cases, mais facilement adaptable en jeu de euh, on va dire de, de Wargame, hein, tout simplement. Alors à savoir que les règles ont évolué. Donc, dans le PDF que je vous ai mis à disposition pour le télécharger, ben, vous allez euh, y trouver toutes les extensions du jeu avec toutes les améliorations et euh, toutes les règles qu'il faudra pour jouer. Je crois qu'il y a une centaine de pages hein, qui ont été résumées. Donc, du coup, tout est en français. Euh, vous aurez la possibilité, justement, de le télécharger. Donc, alors, j'avais noté euh, quelque chose d'important, mais on le verra tout à l'heure parce que la map originale sur laquelle on jouait qui est ici, enfin, la carte, elle faisait, euh, enfin elle fait plutôt euh, 86 x 55 cm, soit 34 cases sur 22 cases. Pourquoi c'est important Parce que on pourra potentiellement, je vous le verrez en fin de vidéo, l'adapter euh, sur des euh, différents livres qu'on peut, euh, bah, qu peut acheter ou des, euh, des... Alors je vais essayer. Alors là, je ne vais pas vous la déplier entièrement parce qu'elle est quand même grande. Mais là, on peut euh, imaginer qu'on est dans, euh, dans l'étoile noire ou sur un destroyer stellaire, peu importe. Et l'autre côté, voilà. Donc en gros, on dépliait ça. Tout simplement. Hop. Et on démarrait bien souvent dans le hangar qui est ici. Voilà, qui est là. Et euh, l'Empire se déployait. Alors là, on peut y remplacer aussi par, euh, euh, par, euh, par un LX, hein, parce qu'il y a des tuiles euh, qui. Euh, alors je vais remettre, voilà, pour qu'on ait de la lumière. Il y avait les tuiles, effectivement, de à l'intérieur du jeu qui permettaient. Alors je fais gaffe parce que je fais tout bouger, c'est normal, je maîtrise la force. Intégrale de l'univers, donc j'espère que la caméra ça va parce que ça tremblote. Donc voilà, en gros, on dépliait ça et puis on jouait dessus avec des cases. Voilà, c'était innovant. Ensuite, on avait potentiellement des tuiles dedans, donc euh, un pont avec un puits. Hein. Voilà, le fameux LX où euh, on pouvait amarrer le vaisseau sur. Alors, c'était non, c'était pas du recto verso. On a le vaisseau à bah, l'entrée au hangar. Là, c'est bon, une zone un petit peu un storage, storage un dépôt, un cargo, hein, la baie de cargo. Donc, ça, on pouvait le poser éventuellement sur, bah, sur la map pour changer un petit peu la configuration et pourquoi pas aussi aller poser des bombes à l'hyperdrive, à hein, la station d'hyperdrive. C'est peut-être une mission. Euh, et la control room aussi, hein, voilà, et les euh, turbo lift qui permettent de passer à des niveau euh, euh, supérieur ou inférieur. Donc, du coup, en gros, voilà hein, pour le, le matos. Alors, il était livré avec, alors, moi je me suis fait ma petite boîte. DD à 20 faces, ça se jouait avec DD à 20 faces. Alors de mémoire, il n'y en avait peut-être qu'un. Donc moi, j'y ai rajouté un petit peu, bon parce que j'ai paumé les jetons. Hein, donc j en ai que, il me reste 2-3. Et euh, vous verrez tout à l'heure à quoi ça servira. Donc ça, c'est en bleu, j'ai mis les points de force. Voilà. Et euh, DD 20, vous verrez, le système de jeu est super simple. Le but, c'est de s'amuser toujours. Donc du coup, voilà. Alors ça, je vous le dis, il faut le retenir. La map 86 x euh, 55 cm 34 cases x 22 on verra pourquoi euh, tout à l'heure c'est important alors ce que je vous propose maintenant euh, ça va être de jeter un petit coup d'œil aux figurines alors au niveau des figurines donc j'ai mis ça dans mes petites boîtes euh, donc là j'ai potentiellement les héros l'alliance là j'ai l'empire avec les, fra les factions euh, on va dire de mercenaires parce que vous vous y retrouviez euh, à jouer avec les factions ou de l'Empire ou euh, de l'Alliance rebelle ou éventuellement euh, euh, des euh, mercenaires avec des robots mais qui pouvaient s'intégrer dans l'un et l'autre des factions principales et bon bien sûr au fil du temps ça a évolué donc du coup euh, et c'est là où je vous montrerai la comparaison aussi avec les figurines de Star Wars Légion, qui sont beaucoup plus mastoc. Donc là, en gros, euh, moi, j'ai personnellement. Alors, je vais peut-être zoomer, si vous permettez. Voilà. Comme ça, on y verra mieux. Alors, c'était des figurines pré hein, tout simplement. Donc là, c'est euh, un espèce d'espion. Hein. Euh, là, c'était un guerrier Wookiee. Alors, c'est vrai que. Pour aller choper Chewbacca, qui était quand même une figurine rare, il fallait en acheter des boosters. De mémoire, là, c'était euh, Luke Skywalker, mais quand il était apprenti Jedi, où il était rebelle au début avant de devenir un Jedi. C'est pour ça que j'ai remplacé la figurine de Luke Skywalker. Alors ça, ça vient d'un jeu qui s'appelait Star Wars quelque chose. C'est un petit peu style atmosphère à l'époque. Tu mettais une cassette vidéo. Bah eh ben oui, on a connu les cassettes VHS, hein, qu'est-ce tu crois Et euh, il y avait un temps limité pour sortir de l'étoile noire et poser des, euh, des bombes. Enfin bref, voilà, lando euh, carl Rissian. Ici euh, un rebelle pilote. Alors moi j'ai mis euh, des socles transparents, mais c'était sur des socles noirs. C'est juste pour l'immersion. Donc j'ai décapsulé les pieds et euh, j'ai collé sur des socles transparents. Là c'était Leila, mais Leila euh, dans la version sénateur parce qu'elle va évoluer dans les boosters. Elle va devenir après prisonnière de Jabba le hot. Donc là, cette figurine de Leila euh, Jabba le Hoth. Donc ça faisait partie des boosters. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors ce D2R2 il provient justement du jeu que je vous disais star wars quelque chose où il fallait s'échapper de l'étoile de la mort alors j'ai pas euh, voulu euh, acheter choper des euh, deux R2 euh, voilà dans des boosters ça coûtait un pognon de, de dingue comme il dit l'autre et c'est vrai que bon euh, je jouais pas qu'à ça. Et donc voilà donc on avait des tas de choses alors j'ai même euh, là c'est un petit Yoda, c'est un petit Yoda que j'ai fait en impression 3D. Hein, euh, voilà c'est pas excessivement terrible mais ça suffit à représenter sa figurine dessus voilà donc ça c'est en gros hein, ça c'est un petit peu les héros euh, qu'on y retrouvait euh, il ouais, y avait Yann Solo, bah, je ne vous ai pas montré Yann Solo voilà Yann, Yann Solo. bon c'est ça qui était super c'est que c'était pré peint c'est à dire qu'en fait tu sortais le jeu tu jouais a pas besoin de peindre tes figurines euh, bah, nous on aimait bien peindre aussi au club mais voilà donc là en gros c'est l'Empire plus euh, bah, euh, tout ce qui est euh, mercenaire qu'on pouvait embaucher donc là, ça, ça fait partie de je ne sais plus quoi, micro-machine. Ça, je vais y coller sur un, sur un socle. C'est un, un robot. C'est une espèce de... qu'on voit sur Hot, là, quand il atterrit. Je ne me rappelle plus ce que c'est, le nom, m'excuserez. Et là, on avait les Stormtroopers. Donc voilà, je les ai décapsulés de leur truc. Hein, Prépunt, donc ça, c'est un Stormtrooper de Hot. Voilà. Et les autres, c'était des, euh, bah, des stormtroopers de base, ou des fois on avait des stormtroopers d'élite aussi. Voilà, ça c'est sympa. Et euh, justement, alors euh, ça je pense que ça a été repeint. Je les ai repeints, je pense. Oui, c'est ça. Je les ai repeints parce que euh, ça ne me plaisait pas. Tu vois, ils étaient tout blancs comme ça. Donc du coup, bon. Et puis là, pour symboliser un robot, le X88, je ne sais pas quoi, ben j'ai pris un robot de, euh, de Terminator Genesis, je crois, le jeu que j'avais présenté sur la chaîne. Voilà, pour euh, trouver un proxy, parce que je n'avais pas le robot. Et comme je vous dis, sur Thingiverse, vous pouvez trouver aussi des, euh, des fichiers STL. Donc là, ben là, on avait des officiers impériaux. Là, c'était des gardes de Bespin. Euh, alors, c'est justement. Euh, ce qui posait problème à l'époque, c'est que, vous voyez, j'ai les mêmes figurines de garde. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben Moi, j'ai trouvé l'idée de faire correspondre la carte avec un point, hein, les fameuses petites pastilles qu'on colle, parce que c'est les mêmes. Donc, du coup, euh, alors, c'est vrai que des fois, sur la carte, ils avaient... Pas la même position on pouvait les reconnaître les stormtroopers de base c'était pas un problème parce qu'ils avaient 10 points de vie donc ils se prennent un shoot dans la tronche ben ils dégagé donc c'était pas la peine de les marquer mais ces figurines là oui oui parce que à un moment donné bah ben, c'est les mêmes donc le bleu le rouge et on sait plus qui en a activé donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette méthode là qui était plutôt pas mal donc là ben là on a un garde impérial voilà spécialisé au corps à corps et ici on a le fameux dark vador voilà et l'empereur palpatine et dark vador avec en fonction de l'époque dans laquelle il va évoluer. bah, il, il va euh, lui aussi évoluer, être beaucoup plus balèze comme skywalker qui au débat au départ, n'a pas beaucoup de points de force. enfin, bref, c'est ça. c'est dans l'évolution du jeu. donc là, pour ça, c'est bon. j'espère que j'ai rien. voilà. parce que des fois en refermant, on peut casser. et là, alors là, j'ai trouvé des proxies parce que euh, j'ai pas toutes les figurines. alors ça, c'est. C'est plutôt des, euh, des, des gardes de, de, enfin de rebelles. Enfin, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent cette faction. Bon, C'est pas grave, c'est ce qu'on trouve au tout début de euh, le, je crois que le film Le Nouvel Espoir. Donc le premier Star Wars qu'on a vu en 1977, en gros. Donc et comme je vous dis, voyez, donc je suis obligé de mettre des points bleus parce que effectivement, bah, ils se ressemblent. Alors, on, pour savoir qui prend des points de vie, mais je crois que là là-dessus, en fonction... Euh, bah, comme je vous dis, soit il avait 10 points de vie, parce qu'en fait, quand vous infligez des dégâts, vous n'infligez pas 2, 3, 4 points de vie, vous infligez 10 points de vie. Et j'avais voulu faire correspondre, parce que vous avez des gardes d'élite aussi, les gardes d'élite, bah, des fois, ils ont 20 points de vie. Donc c'est pour ça que j'ai mis des points de couleur. Ça, c'était un officier, voilà, officier euh, rebelle, ici. Et puis là, vous avez euh, bah, des troupes de hôtes, tout simplement. Et euh, ben, pour faire correspondre, admettons, euh, les, euh, les soldats d'élite hein, ou les commandos. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle dans le jeu euh, de Hoth. Eh ben, J'ai trouvé des figurines à peu près équivalentes. C'est juste pour ne pas m'embêter. Il hein, ne faut pas être geek à ce point-là. Par contre, effectivement, je me suis monté une petite armée de walk, Et ça, c'est du fichier STL imprimé. Voilà. Hein, avec différentes caractéristiques. Donc là, c'est un, un, un guerrier... Un Ewok, je crois. Enfin, J'ai essayé de faire correspondre un petit peu au niveau des cartes avec des arcs et des flèches. Alors, c'est pas évident parce qu'au niveau de l'impression 3D, il a fallu que je calibre quand même relativement fin pour que ça ressorte pas mal, quoi. Et puis, je ferai aussi les fameux Ewok avec les ailes, mais ça, je, je ne me suis pas encore penché dessus. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et pour vous montrer justement la différence de figurines entre euh, une version euh, Star Wars miniature et les versions que l'on a maintenant comme Star Wars Légion bah voilà donc à gauche c'est du Star Wars Légion alors je vais prendre un, un Stormtrooper de façon à vous montrer la différence bon voyez voilà donc c'est euh, bah c'est pas à l'échelle du tout quoi mais bon bah, ouais, c'est ça fait un peu euh, ça fait un peu gros c'est gros quoi c'est même très gros Bon, parce qu'après, effectivement, il y, a le, il y a le socle qui est assez épais. Mais voyez que, bon, alors, pourquoi pas, bon, si ça peut représenter euh, le stormtrooper, vous voyez, donc là, on retrouve un stormtrooper qui est de base, parce que j'étais en train de le peindre. Donc ça fait un peu mastoc bon, pourquoi pas, si on a besoin, mais bon, il ne faut pas énormément de figurines, donc il n'y a pas besoin d'aller, euh, au pire, j'imprimerai des Stormtroopers, parce que dans les Stormtroopers, vous avez des officiers, vous avez des Stormtroopers d'élite, vous avez euh, des Stormtroopers avec des armes lourdes, avec chacun, bien sûr, leur carac et leurs effets, enfin bref, ça, je vous laisserai voir, parce qu'on ne va pas trop s'étendre là-dessus, comme je vous dis... Hein, on est entre nous on prend le temps s'amuse voilà et euh, donc là moi j'ai imprimé ces trucs euh, en fichier stl parce que dans l'évolution du jeu à un moment donné on pouvait ramasser du matos et notamment aller chercher euh, des médics des médics pack pour se soigner donc j'ai imprimé en 3d ça c'est les médics packs. et je sais qu'il y avait des trucs de force aussi pour aller recharger la force ou je sais plus quoi. Et euh, voilà. Donc et puis il y a aussi des trucs d'armurerie, mais ça je l'ai pas peint, je l'ai imprimé en 3D. C'est une caisse d'armurerie hein, hein, comme on trouve. Donc voilà en gros pour les figurines. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on jette un petit coup d'œil aux cartes. Et avant de passer aux règles sur la carte, enfin sur la oui, sur la map, comme on dit, euh, ben, on va étudier les caractéristiques euh, des unités. Allez, on va se propulser dans l'espace pour étudier une carte de caractéristiques euh, ben, d'un personnage. Ou peu importe, là j'ai choisi Luke Skywalker parce que euh, voilà, hein, moi, je suis plus Alliance. Euh, donc du coup, euh, qu'est-ce qu'on va y retrouver sur cette carte Donc ça c'est le Luke Skywalker de base. En haut à gauche, ben, forcément vous retrouverez le logo de la faction à laquelle il, a, il appartient. Donc là c'est l'Alliance Rebelle, son nom et euh, ben, sa caractéristique de ce qu'il est. Alors là c'est le Luke Skywalker de base qui est au départ un rebelle. Et on a des points. En haut à droite qui correspondent au point de euh, bah, du, du coup euh, que va euh, avoir la figurine, c'est à dire qu'on va con concevoir ces factions pour un minimum de 100 points euh, de façon à avoir sur la table une équivalence qu'on soit à peu près tous à, à ces points à un ou deux près. Voilà. Euh, ensuite, euh, sur la gauche, nous avons toutes les caractéristiques du personnage, soit les hit points. Les hit points, c'est les points de vie. Donc, c'est 40 points de vie. On va dire que euh, toutes les armes, tous les dommages vont euh, aller de 10 en 10. Donc, il n'y a pas de 3, de 4, de 6, de 7. Non. Alors, on dit qu'il a 40 points de vie, mais en gros, il a 4 points de vie parce que euh, les dommages bah, qu'il va recevoir sont euh, par tranche de 10. Donc, quel point de vie La défense. Alors, la défense 17, très important parce que la défense va être la caractéristique qui va euh, servir euh, de base pour l'attaque de l'ennemi. Euh, en gros, vous n'allez jamais jeter un jet de défense. C'est simplement l'adversaire qui va euh, vous dire tu as combien en défense Et euh, il va vous le dire, et en fonction de l'attaque et des dommages. C'est comme ça que ça va se traduire. Et justement, au niveau de l'attaque, au niveau de l'attaque, vous allez jeter un D20 plus votre attaque. Et il faudra justement à ce moment-là euh, avoir un résultat identique ou supérieur à la défense de l'adversaire. En l'occurrence, ici, si on veut blesser Luke Skywalker, ah ben, il faudra que l'adversaire jette un D20 plus euh, son bonus d'attaque. Et il faudra qu'il atteigne 17 ou plus pour infliger les dommages de l'arme qu'il possède. En l'occurrence, en dessous, nous avons les dommages. Et là, ils sont de 20. C'est-à-dire que euh, sur un jet d'attaque réussi, il va infliger 20 dommages au personnage qu'il attaque. Et euh, si ce personnage n'a que 10 en point de vie, c'est ce qui est, c est un, un Stormtrooper de base, eh ben, il va le tuer. Et s'il y a plus, eh ben, il va euh, déduire. La, les points de vie de l'autre, mettons il a, un adversaire à 70 points, ben, il se prend 20 dommages, il tombe à 50. Voilà, en gros. Ensuite sur la droite, on a les habilités spéciales. Alors je vous rappelle que si vous allez visiter le site internet de la communauté française Star Wars Miniature, tout est traduit sous forme de, de texte, hein, c'est très bien fait. Euh, mais bon, ceux qui comprennent un peu l'anglais, ça, ça peut passer aussi. Donc les habilités spéciales sont des habilités qu'on a en permanence. Voilà il euh, n'y a pas besoin de dépenser quoi que ce soit, à savoir que en dessous il y a marqué unique, ça veut dire que dans le jeu vous n'aurez droit qu'à aligner dans votre faction qu'un unique Skywalker quel que soit son niveau impulsive shot donc là c'est la caractéristique euh, qui va permettre à un moment donné quand on va se déplacer et tirer euh, d'appliquer les effets de cette carte et en dessous nous avons des personnages qui possèdent hein, la force. Et en l'occurrence ici, la force power. Force il a deux, c'est-à-dire qu'il a deux points de force à, à pouvoir dépenser pendant la partie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va utiliser la force, alors... Il pourra utiliser la force pour relancer un dé, il pourra utiliser la force pour euh, se soigner. Enfin, il y a plein, plein d'options euh, qui vont vous permettre d'utiliser des points de force. Mais ce point de force est perdu pour la partie. Donc, si vous le dépensez, il vous en reste un. Et si vous dépensez l'autre, il vous en reste un aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est cette espèce de bonus qu'on peut euh, utiliser dans le jeu, donc là euh, je vous ai montré le Luke Skywalker de base, là nous allons voir le Luke Skywalker Jedi Knight, donc là il est chevalier Jedi, donc là déjà il coûte plus 17 points, il en coûte 27, Hit Point, donc point de vie il a 90, il a 18 en défense, donc on a pris un point, il, en attaque il a plus 10, et en damage ça bouge pas, il a 20, sauf que là, c'est toujours dans ses habiletés spéciales, c'est un personnage unique. Double attaque, il gagne des habiletés. Par exemple, on this turn, this character can make un extra attack instead of moving. Donc ce qui veut dire qu'en gros, pendant son tour, ce, ce, caractère, ce personnage, il peut faire une attaque bonus hein, au lieu de bouger. Voilà tout simplement et il a une attaque de mêlée alors là c'est très important parce que les personnages qui n'ont pas d'attaque de mêlée c'est-à-dire qui n'ont pas dans leur habileté spéciale mêlée attaque ne pourront pas attaquer au corps à corps mais pourront tirer même si il y a un personnage adjacent hein, euh, à sa case un ennemi c'est pas voilà on n'est pas bloqué hein. vous verrez c'est très simple euh, ça veut dire que melee attaque 10 caractères can attaque only adjacent ennemi. C'est précisé donc dans sa version Jedi Knight, Luke Skywalker ne pourra attaquer qu'au corps à corps. Voilà, sauf que il a la force et là il a gagné un point de force. Il en a trois donc il va pouvoir utiliser euh, la force durant son tour. Et là il y a Light Saber par exemple qui, qui utilise un point de force, force 1. Il faut remplacer ses attaques, dis-caractère, car une attaque est vraie adjacente. Euh, voilà, en, en gros, au lieu de remplacer une attaque, ce personnage pourra attaquer euh, tous les ennemis qui sont adjacents à sa case. Donc la, la force peut être puissante, puisqu'elle est chez le magelf, ah ben, elle est chez Skywalker. Donc voilà, en gros, euh, pour les cartes, comme je vous ai dit, hein, je prends le temps de vous expliquer tout ça. Hein. On n'est pas, hein, pas aux pièces, hein, on n'est pas à l'usine, on est en, presque en vacances. Donc du coup, maintenant, ce que je vous propose de faire, bah, c'est de passer sur la table avec une vue différente et de vous expliquer comment ça se joue sans forcément trop rentrer dans les détails. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par les euh, règles de jeu. Euh, là, on va voir le, euh, on va dire le chapitre de séquence du jeu. Alors, c'est très simple. Chaque joueur, donc en, en l'occurrence ça se joue à deux, voire trois joueurs, c'est possible, hein, mais chaque joueur va jeter un dé et en fonction du résultat de merde ou pas qu'il fait, <laughs> bah, va avoir l'initiative, donc le plus haut score gagne l'initiative et ensuite on va pouvoir activer nos figurines. Et la particularité de ce jeu, euh, lorsque l'initiative a été tirée, bah, en alternance, chaque joueur, Hein, chaque adversaire va bouger deux figurines et non pas une comme ça se fait dans certains jeux. Donc là l'alliance admettons a gagné l'initiative, elle va pouvoir activer deux de ses figurines. Une fois que c'est fait, on les marque hein, par un petit pion pour signaler qu'elles ont été activées, et l'Empire à son tour va en bouger deux, et l'alliance à son tour va en bouger deux, et etc. jusqu'à ce que euh, bah, il n'y ait plus de figurines à bouger. Alors il se peut que dans le jeu, euh, selon la construction de vos armées, hein, de vos factions, vous euh, ayez un nombre supérieur de figurines euh, à, euh, à activer. Admettons l'alliance a sept figurines à, à, qui correspondent admettons à 100 points. Le, les rebelles ont euh, admettons, 8 figurines euh, qui correspondent à leurs 100 points aussi. Bah, euh, à un moment donné, bah, il va rester des figurines à activer et le personnage va les activer. Donc là, il en restera, admettons une, pour l'Empire à bouger en fin de tour. Voilà en gros euh, la séquence de jeu. Allez, on va attaquer euh, cette fois-ci l'activation des figurines. On va commencer par le mouvement. On verra tout à l'heure les attaques. Hein, et tout ce qui va avec. En l'occurrence, ce qu'il faut retenir dans le jeu, c'est que chaque figurine, quelle qu'elle soit, ce que j'appellerais les figurines euh, d'infanterie, hein, Luke Skywalker, Leila, les Stormtroopers, etc. se déplacent maximum de 6 cases, mais peuvent se déplacer jusqu'à 12, mais on va le voir tout de suite. Sauf les figurines où il est spécifié qu'elles se déplacent soit de 4 cases, soit de plus, hein, comme les, euh, les antigraves ou, les, ou les, les machines de ce genre. En l'occurrence, ici, on va rester simple, on va rester dans le domaine de l'infanterie. Donc, chaque figurine se déplace de 6 cases et aura... Euh, euh, trois choix, c'est-à-dire soit, elle, elle se, admettons, Leïla va se déplacer et tirer, soit elle peut tirer et se déplacer, soit se déplacer jusqu'à 12 cases, mais ne pourra pas tirer. Voilà, ça, les choix, ils sont très simples. Donc Leila décide de euh, s'activer, enfin du moins le joueur qui la contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout simplement. Là, elle ne peut pas tirer parce que on verra tout à l'heure la notion de décor et de porte, hein, on va on y viendra tout à l'heure, c'est pour vous montrer le mouvement. Donc là, on considère que la porte est fermée et elle n'a aucune ligne de vue donc sur qui que ce soit, hein, parce que ici c'est fermé et là il y a un mur. Voilà, tout simple. À savoir que au niveau des mouvements, chaque diagonale que vous faites vous compte deux points de mouvement. Admettons elle veut se déplacer, elle veut rejoindre Luc, elle fait 1 2 3 4 5 6 Les mouvements en diagonale comptent comme deux points de mouvement. C'est tout simple et à partir de là, elle pourra attaquer ou attaquer et se déplacer ou se déplacer de 12 cases forcément en comptant les diagonales avec deux points supplémentaires. Donc là pour le mouvement, c'est très simple, il y a aussi des règles pour les gros monstres mais ça on va pas rentrer dans là, on va rester dans la simplicité. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller analyser euh, tout ce qui est décor euh, sur la carte, de façon à vous montrer quelques petits exemples. Alors, je vous ai passé volontairement les autres actions qui sont escaladées, tombées, sautées, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisserai consulter le livre euh, des règles. Alors, à savoir que sur la carte. Vous verrez des éléments de décor qui sont entourés d'une ligne, une ligne verte, il y a des lignes rouges et il y a également, on le voit peut-être pas ici parce que c'est un peu trop loin. Je vais essayer de le rapprocher. Est-ce qu'on va le voir là? mon doigt, vous le voyez en haut voilà. et là on a des lignes jaunes. Et là je vais vous expliquer quel impact ça a, on va dire sur le jeu. Alors à savoir que, les lignes rouges sont des décors du style des piliers, des murs, où on ne peut pas voir à travers. Ils peuvent aussi ouvrir, euh, offrir des couverts, mais on ne peut pas voir à travers. Euh, par contre, au niveau des trous, comme on a vu tout à l'heure, au niveau... Euh des euh, lignes jaunes en haut euh, où il y a mon doigt ici, je tapote. Donc là, ça n'empêche pas la visibilité, c'est-à-dire ça ne bloque pas la ligne de vue. Par contre, c'est symbolisé, comme on peut le voir, par un puits. Hein, ça veut dire que si on tombe dedans, ben là, on est mort. <laughs> Donc du coup, après, on pourra pousser un adversaire dans un puits pour qu'il meure, etc. Et là, en l'occurrence, ces lignes jaunes sont des délimitations par rapport au décor et on pourra tirer à travers, mais pour passer avec, il faudra soit éventuellement sauter, ce qui peut être dangereux, soit avoir un jetpack et voler, avoir la capacité de vol. Ensuite, au niveau du décor, nous pouvons voir qu'en dernier, nous avons des lignes vertes. Alors je vais les montrer plutôt ici. Voilà, ici c'est un bureau hein, avec des chaises. Et c'est une ligne verte où on pourra éventuellement aller s'abriter et bénéficier d'un couvert, ça veut dire qu'un joueur pourra venir se positionner sur un décor vert moyennant en dépensant deux points de mouvement parce que chaque décor vert, alors là j'en ai ici, Je, on les voit peut-être pas trop. ouais voilà on va les voir ici. Euh, voilà donc ça c'est un décor vert et une figurine pourra rentrer dedans et bénéficier d'un bonus de couvert et elle pourra en ressortir sans malus. En l'occurrence, on va prendre l'officier impérial qui est là. Il veut se déplacer, se mettre à couvert parce qu'il sent qu'il y a un danger. Il va décider de se déplacer et éventuellement de pouvoir faire une action de tir, ce qui n'est pas le cas parce que la porte est fermée, mais ça, on va le voir tout à l'heure. En fait, le fait de se déplacer en diagonale, vous avez retenu qu'il faut deux points de mouvement, donc ça fait deux. Mais comme on rentre dans euh, un endroit, on va dire, qu'on symbolise comme encombrant, ben, il va devoir dépenser deux autres points de euh, mouvement. Ce qui fait qu'en fait, le fait de faire qu'un déplacement d'une case, ben, ça va lui coûter quatre points de mouvement. Par contre, pour en sortir, il peut compter un seul point de mouvement. Et voilà, et là, il arrive à 6. En fait, il a parcouru une petite distance. Par contre, il peut faire 2, 4, 6. Et là, il a fait son déplacement, il pourra éventuellement tirer. Voilà pour tout ce qui est euh, objet euh, au niveau du décor, à savoir qu'on ne peut pas tirer à travers un mur, vous l'aurez compris, c'est un obstacle infranchissable. Et le jaune est un trou ou, ou alors un terrain difficile selon les scénarios, car il y a des scénarios. Là Alors, ils ont rajouté par la suite des escaliers, ils ont rajouté euh, des fenêtres, enfin bref, il y a eu des tas d'améliorations au niveau des règles, moi je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, ce qu'on regarde, c'est euh, les portes. Et là, les portes, c'est intéressant. Admettons, on a un Stormtrooper, ce n'est pas à lui de jouer, mais à savoir que pour ouvrir une porte et la laisser ouverte, il faut venir en étant adjacent. Là, il est adjacent à la porte, la porte s'ouvre automatiquement. C'est un petit peu quand, quand vous rentrez dans une grande surface, vous avez un détecteur, il vous ouvre. Et tant qu'il est devant la porte, c'est-à-dire adjacent à la porte, eh ben, la porte reste ouverte. Donc du coup, les stratégies qu'on peut développer, et ce que je développais au niveau euh, du jeu, c'est que, admettons, c'est au tour de jouer de Leila, elle, elle veut se rapprocher et ouvrir la porte elle va se déplacer, admettons, en diagonale, de 4. Et automatiquement, quand elle est à une case de chaque côté ou même devant, la porte va s'ouvrir. Donc elle a fait son activation. Et une fois qu'elle arrive devant la porte et qu'elle a déclenché l'ouverture, son tour est terminé. Elle n'a pas le droit de pénétrer, de tirer ou de pénétrer, d'aller au corps à corps. C'est un petit peu on va dire la restriction, on se déplace, on se met adjacent à la porte, elle s'ouvre, ce qui va permettre de combiner avec Luke Skywalker qui lui va potentiellement pouvoir tirer sur le stormtrooper, étant donné que la porte à l'origine, quand il n'y a personne, aucune figurine qui est adjacente, elle est fermée, mais là il l'a ouverte. Donc c'est voyez, on peut arriver à à combiner des choses, admettons qu'il ait raté ou qu'il ait eu, peu importe, c'est au tour de l'empire de jouer. Admettons il a été éliminé, eh ben, ben, les autres vont pouvoir aussi bénéficier éventuellement de l'ouverture de la porte parce que la porte eh ben, reste ouverte. Donc c'est pour ça qu'il faut bien bien réfléchir ou des, avoir des capacités spécifiques comme D2R2 pour pouvoir à distance, quelle que soit la porte, mais en ligne de vue, pouvoir la fermer. Donc s'il y avait un D2R2 qui traîne, eh ben, il peut la, la fermer à distance, ce qui fait que ça ouvre, tu tires, tu peux la fermer. Voilà, c'est voilà, ce concept-là est bien sympa. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est euh, de regarder tout ce qui est attaque, tout ce qui est ligne de vue par rapport aux objets euh, qui sont présents sur la carte. Allez, on va se lancer euh, dans euh, tout ce qui est attaque, hein, comme on l'a vu précédemment, on peut se déplacer et tirer, tirer et se déplacer, et se déplacer de tout ce cas, mais ne pas tirer. En l'occurrence ici, nous allons voir déjà les lignes de vue. Alors je ne vais pas tout vous expliquer là-dedans, on va prendre des trucs simples, parce que vous verrez dans le livret des règles, il y a des particularités, si je peux me permettre d'utiliser toujours ce mot, où euh, en fait on va viser une figurine non pas du centre du socle. Mais par un de ces coins, comme on peut le voir ici, euh, bah, le mieux c'est le coin avant et on va sélectionner bah, le coin quelque part où on a le plus de visibilité. En l'occurrence ici au niveau des, des lignes de vue, euh, bah, le, le rebelle là, bah, là il n'a pas de ligne de vue sur le stormtrooper étant donné qu'il a un obstacle blo bloquant entouré d'une ligne rouge. Voyez, est-ce qu'il a la ligne de vue ici? Ben, on peut considérer ici qu'il a une ligne de vue, parce que si on prend son coin qui est là, il arrive à toucher un des coins, vous voyez, de, euh, du Stormtrooper qui est là. Mais par contre, il n'a pas la visibilité ici, étant donné que du, du point de son euh, l'angle de sa case, il touche l'angle d'un mur. Donc là, on considère qu'il ne le voit pas. Donc là, c'est un cas spécifique. Il n'y a pas de notion de distance dans le jeu. C'est-à-dire Que vous pouvez tirer très loin, c'est pas un problème. Nous avons ici Luke Skywalker, cas figures. Il peut éventuellement tirer sur le Stormtrooper, mais également sur l'officier impérial, parce que vous verrez que si on prend euh, l'angle de sa case qui est ici, et il touche l'angle de, de la case de l'officier impérial. Par contre, il va euh, sa ligne de vue va passer par. Un mur, donc là, euh, le l'officier impérial va bénéficier d'un couvert parce que on, on peut voir qu'on ne touche que l'angle ici, hein, parce que là, si là, ça traverse le mur, là, ça traverse le mur, donc voilà. Donc tout tout étant été cité, cité en exemple dans le livre, donc je vous invite à aller le regarder parce que je ne vais pas rentrer dans des cas de figure complexes. Là, c'est juste pour s'amuser et on aura aussi le ce qu'on appellera la cible légale parce qu'il y aura des priorités pour viser des cibles mais à la rigueur ça ça peut être mis de côté vous pouvez décider sur qui vous tirez parce qu'il y a une notion de priorité euh, Luke Skywalker bien sûr va tirer plutôt sur quelqu'un qui est visible euh, que quelqu'un qui est à couvert mais admettons voilà on va prendre le cas qu'on ait le choix de tirer parce qu'on est en visibilité alors à savoir que c'est tout simple le jet d'attaque vous jetez un des 20 plus votre caractéristique d'attaque. Alors, en l'occurrence, Luke Skywalker, en attaque, il a plus 7. D'accord On regarde la défense du euh, Stormtrooper, hein, qui euh, est un élite Stormtrooper. J'ai pris la carte de l'élite Stormtrooper. Il a euh, en défense, il a 16. Ce qui veut dire qu'il n'est pas à couvert, il n'a pas de bonus. Luke Skywalker va jeter son dé, rajouter plus 7. Donc, plus 7, ça fait 9. L'élite Stormtrooper ayant une défense de 16, bah, euh, ça ne le fait pas. Mais si hop, il avait fait un 15, plus son attaque euh, donc, euh, de Luke Skywalker, ça fait 7. Donc, ça fait 22. Il dépasse largement l'élite Stormtrooper. Du coup, on va regarder sur sa carte les dommages. Dommage, il a 20. L'élite stomp, stomp, stomp trooper en matière de, euh, de hit point, hein, de points de vie, il a 20. Donc en fait, le, un tir suffit bon, à l'éliminer. Vous voyez, c'est assez, euh, assez létal. Cas spécifique, dans le jeu, si on fait un 1, voilà, j'ai fait un 1, un, c'est une. C'est un échec critique. Ce qui veut dire que là, Luke Skywalker ayant sur sa carte Force 2 pourra utiliser un point de force pour relancer un jet d'attaque ou de sauvegarde. Enfin, quand il appelle de sauvegarde, euh, c'est euh, voilà, ce qu'ils disent, un hein, sauvegarde raté. Bon, je ne sais pas à quel moment ils font des sauvegardes ratées. Voilà. Euh, mais les points de force dépensés le seront pour toute la partie, à savoir que... Il y a des euh, pouvoirs Jedi qui ne pourront être utilisés que par certains personnages, notamment les sites, où ils feront des sauts, ils jettent, ils font une transe, ils font une chute, ils font une poussée. Ça, c'est dans d'autres euh, boosters, mais là on reste simple. Donc j'ai raté mon dé, ouais, ben, je relance, j'enlève je, je, définitivement un point de force pour cette partie, et je jette le dé. Et là, je fais 18 plus 7, 25, boum, défense, dégagée. Voilà, tu, voilà, ça sert à ça la force aussi dans le jeu quand on utilise des, des, euh, des troupes de base, sans compter bien sûr les habilités. Et par contre, et là où c'est intéressant, quelle que soit la défense adverse, même si elle monte à 140, euh, le fait de faire un 20 est une touche critique. C'est-à-dire qu'on fait un 20, on va toucher automatiquement, et à ce moment-là, on double les dégâts, ce qui veut dire que... Euh, d'infliger <coughs> pardon euh, au lieu que Luke Skywalker inflige 20, il infligera 40. Ce qui est énorme, donc ça correspond à, à, à éventuellement à un tir en pleine tête ou dans une zone vitale. Voilà, ça il faut le savoir. Après, comme je vous dis, euh, on va euh, passer tout ce qui est ligne de vue euh, spécifique. Les caractéristiques des, des officiers impériaux qui ont un une habilité permanente qui est que à la fin euh, de son euh, tour euh, un non unique euh, figurine Alors, quand ils disent non unique c'est bah, il peut pas commander' Dark vador par exemple hein? euh, qui est à 6 cases il peut immédiatement faire une attaque voilà ça veut dire que il a fini son tour il a ouvert la porte bzz, immédiatement il peut donner l'ordre d'attaquer et là c'est gratuit ça veut dire que automatiquement ce personnage là ne sera pas activé il s'activera quand ça sera son tour mais là c'est un bonus de dire shoot moi euh, skywalker voilà ça et là les caractéristiques des, des personnages je ne vais pas vous les énumérer dans le jeu parce qu'on on fait quelque chose de simple mais on a la possibilité d'utiliser les habilités spéciales des personnages pour faire des combos pour euh, voilà et là il s'agit seulement que d'un d'un personnage non unique voilà, c'est pour ça qu'il y a l histoire d'unique sur les cartes donc voilà alors qu'est-ce que j'oublie bah peut-être les corps à corps bon, si, si euh, on, on, on est là là dans ce cas de figure là bon euh, là on n'a pas le Skywalker Jedi euh, donc du coup on peut pas faire une attaque de corps à corps mais ça sera pareil ça sera exactement pareil sauf que si euh, la, le personnage a une capacité spécifique d'attaque de corps à corps avec des habilités spéciales. Ben on va les appliquer. À savoir qu'on aura le droit d'utiliser qu'un point de force par tour, ou éventuellement un point de force quand c'est le tour de l'adversaire qui nous tire dessus et qu'on a des capacités d'esquive, etc. Donc là, mais bon, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil au niveau des règles. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant Je regarde si je n'oublie rien. Je ne vais pas rentrer dans les détails des, euh, on va dire, des, euh, bah de tout ce qui est euh, meubles, etc. Euh, maintenant, ce que je vous propose de voir, au-delà bien sûr bah, de cette petite présentation très résumée des règles de jeu, c'est vous montrer un petit peu les alternatives qu'on peut avoir, si toutefois euh, vous êtes intéressé, que vous avez des figurines de Star Wars, ou alors vous décidez d'aller voir sur eBay s'ils vendent des boîtes, etc. C'est au-delà de tout ça, vous montrer quelles seraient potentiellement euh, les adaptations à moindre coût. Alors, quelques alternatives si vous êtes intéressé par le jeu, hein, de, pas, de façon à ne pas dépenser trop de sous hein, voilà, pour un jeu petit sympa. Donc, je vous rappelle qu'au niveau de la map, enfin au niveau de la carte de jeu de base elle fait 86 x 55 cm à savoir qu'il faut 34 cases sur 22 alors là je les ai pas forcément dans ce produit de loki battle mats donc il me semble que j'avais fait une vidéo là dessus je me rappelle plus c'est possible où je vous présentais effectivement euh, bah, euh,

17 cases donc forcément bah là on n'est pas du tout dans les clous mais c'est pas grave éventuellement vous pouvez réduire les points mettre des petits décors des rochers et vous faire un petit jeu sympa à la rusty dagger hein, comme j'ai présenté sur la chaîne qui nécessite pas forcément beaucoup de cases donc là on est sur différents éléments hein. là on est sur haute par exemple vous avez vu comment elle a changé la couleur hop entre le euh, <laughs> le chaud et le froid. Voilà, donc là on peut voir, il y a une variation. Donc là on est typiquement on est sur autre. Ou alors on est dans un temple Jedi. Ou alors on peut être, je sais pas, tiens, sur une planète alien, avec bien sûr les buissons qu'on pourra considérer comme les couverts. J'ai oublié de parler des couverts dans le tir. Euh, J'en profite. Peut-être que j'ai mis une petite annotation. Si vous euh, bénéficiez d'un couvert, bah, vous gagnez plus 4 en défense. Voilà. Euh, une station. Qui va pour pouvoir permettre d'accueillir un vaisseau. Euh, voilà, là, puis, là, typiquement, on est dans des euh, voilà, des vaisseaux spatiaux hein, voilà, qui sont pas aussi grands que la carte. Mais vous verrez que je vous, vais vous proposer autre chose. Voilà, hein, à vous de combler deux décors et euh, voilà, deux euh, trucs comme ça. Donc là, je vais pas vous tout vous rebalayer parce que je crois que j'avais déjà fait la présentation. Mais voilà, typiquement, là, on a de quoi faire pour des petites missions de 50 ou 60 points. Parce qu'autrement, après, ça devient trop chargé en matière, euh, on va dire, de, 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 de. Voilà, quoi. Bon, là, typiquement, on va y retrouver <laughs> éventuellement une basse, bataille dans l'espace. Voilà, il y a des planètes, il y a de l'espace, il y a. Voilà, tout ça. Donc, du coup, ça, je voulais montrer. Je vais tout de suite euh, le monter, le ranger dans mon armoire. Et une autre solution, j'ai trouvé ces produits Starfinder Fleet, euh, Flip Matte. Donc, en fait, c'est deux. Map recto verso, donc j'en ai pris une où c'est un vaisseau qui se crache et là c'est une Jungle World. Donc, je me suis dit je vais peut-être essayer, euh, voilà, d'aller sur Endor. Bon pourquoi pas. Hein. Donc du coup, bah, par contre là effectivement elle sera un peu plus petite, mais la particularité, on ah ben bah, on va pas l'avoir en entier, c'est pas grave parce que j'ai pas, vous voyez. Donc en gros.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ouais, 24 sur 31 à peu près, ou 32. Bon, c'est une solution qui va permettre aussi euh, ben, euh, voilà, d'aller, euh, comme c'est un univers science-fiction, donc forcément, euh, voilà, vous pouvez aller n'importe où. Et là, c'est des vaisseaux scratchés. Donc, limite, on peut, euh, peut s'imaginer. Euh, faire une mission là dedans il y a déjà les murs on met deux trois caisses. Après à vous de dire ben, les objets encombrants comme là par exemple les couverts, les murs infranchissables. Euh, là il n'y a pas de trop, je vois pas de trou donc voilà donc désolé pour le reflet euh, donc voilà en gros et vous avez aussi et là c'est parfait donc pour l'instant c'est j'ai regardé sur certains sites con connus vous avez les euh, flit tiles, donc les tuiles, euh, réversible les flips euh, donc ça en fait vous allez pouvoir construire je crois que c'est des, des carrés de 4 sur de 6 sur 6 et là c'est parfait parce qu'on tombe pile poil dans le nombre de cases donc du coup c'est ça qui est sympa où on peut euh, bah, s'amuser et euh, voilà investir un petit peu mais pas trop si on a des figurines de Star Wars et en gros c'est ça donc du coup bah écoutez ce que je vous propose c'est qu'on conclue cette vidéo voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc pour rappel, dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés, vous aurez tout ce qu'il faut si vous désirez jouer à euh, bah Star Wars miniature. Jeu très simple. Hein. Il y a même, je crois, mon, mon confrère euh, Fatmax Edition qui a créé une campagne. Mais il y a plein, j'ai récupéré plein de fichiers où il y a des campagnes avec des points. Enfin bref, sur Board Game Geek, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, et là, vous pourrez télécharger l'essentiel. Même si vous allez sur euh, euh, Thingiverse, enfin tout ce qui est euh, impression 3D, vous trouverez des figurines. Hein. Il n'y a pas besoin d'énormément de figurines. Comme vous avez pu le voir, ça se joue en points. Donc voilà, c'est en général c'est du 100, 150, 200 points. Sur une grande table, éventuellement on peut monter plus. Mais pour commencer, parce que j'ai vu les prix des figurines, bon 6 euros la figurine, ça fait un petit peu cher quand même, même si c'est du pré Mais bon, on peut toujours arriver à trouver des proxys ou imprimer euh, ces, euh, ces figurines comme je vous l'ai montré pour les e -walk. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, on se retrouvera très bientôt pour une partie filmée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo.